C'est mongol comment c'est beau. Ah, puis l'odeur de la mer, ça sent bon. C'est dans mes cute, ça. La petite corde. Tu l'as acheté de ça, non? C'est facile, ça. Yeah! En pleine expédition, les amis. Là, on faut sauter en bas ici, là. Ouais. Faut sauter en bas. D'accord. Mais non, c'est une blague. C'est quoi le nom de la chute maintenant, ce qu'on s'en va en ce moment? Belle petite expédition dans le bois, les amis. Je me fais montrer des spots par ma bonne amie Steph avec sa petite fille. Je découvre comment. Très le fun. Ah, la descente se passe bien, les amis, mais la montée va être plutôt sur le cardio, je pense. Vivement faire de l'exercice. C'est qui la petite drop qu'on a à descendre ici, là? Oh, wow! T'as rien vu, hein? Non. Toi, tu voulais même pas venir ici, papou? Non. Pfff. Parce que je vis trop. On vient jamais trop dans des endroits comme ça. Bienvenue au paradis! Saute! 1, 2, 3, go! Ah, wow! Wow, wow, wow! Le plus beau, c'est la chute. Le plus beau, c'est la chute. Ouais. Tu passes par là? Oui. C'est bien là, on va être à la plage. Comme moi. Wow!
Avec les voiliers dans la baie en plus. Hein. Et que c'est beau. La descente a super bien été. C'est assez, assez abrupt quand même à des places. Il y a des cordes qui ont été installées pour faciliter la descente. Le spot est tout simplement malade mental. C'est fourré. Il faut venir absolument à marée basse. Donc on est chanceux. La marée basse va être à 1h15. Donc parfait pour nous, pour ce qu'on veut faire. C'est fourré le spot. C'est complètement malade mental. La montée va être plus dure, mais c'est pas grave. Puis checkez bien ça. Bonjour. Juste là, là, au bout de mon doigt, il y a un crabe. Il essaye de se camoufler autour d'un escargot. Ouais. Il est pas bien caché. Il bouge-tu? Je sais pas. On voit sa queue, oui, ça sort. On a un bourgo. On a vu des étoiles de mer. Il y a des oursins. C'est vraiment bourré de vie dans la baie ici. C'est capoté. Mais là, le loup de mer, ça pointe pas. Loulou! Viens t'en, petit loup de mer. Un crabe ici. Un crabe là, il y a vraiment de la vie, c'est épouvantable. Un autre crabe, deux autres crabes, juste là en avant. Elle est froide! Ça purifie. À tantôt! Yeah! Wouhou! Ah. Wouhou! Yeah! Ah, ça fait bien, hein? C'est fou, elle! Fou raide! Fou raide!
Un peu. Vas-y! Yay! Bravo, Maina! Yeah! T'as mon tour! Ah! Yeah! Hey, t'es vraiment bon, je suis impressionné! Bien poté! T'as eu ton baptême! Ouais! Ah! Il est rendu là, en avant. Il vient de replonger. Il se sauve de nous! Il est là! Ah, il y en a un autre là-bas? Il y en a deux? Il y en a un là, puis un là, avec un cormoran à gauche. Ouais. Il en a pogné un. Puis là, l'autre s'en va essayer d'y voler. Ouais. Spot de rêve, les amis. C'est capoté débile mental. Coin de Bécomo, c'est magique. Magique, magique, magique. On va repartir bientôt du spot ici. On va aller plus haut sur la falaise pour aller voir la chute d'en haut. Puis après ça, épluchette de blé dingue pour la soirée avec petit jam de guitare et tam-tam pour finir la journée en beauté. Ça fait longtemps, tabarouette, que j'ai pas été dans les petits jams de même. Ça va faire du bien beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que vous aimez les images parce que d'être ici, là, maudit que c'est relaxant, maudit que c'est plaisant. Il est donc bien belle de même. Wow! Ah, wow! Il est bien beau, lui. Wow! Puis l'autre que j'ai trouvé, tu l'as mis où, l'autre? L'autre que je t'ai donné? Mm-hmm. T'as trop de trésors. Ah. Il est donc bien beau, lui aussi. Regarde, celui-là, on va le mettre ici. Ouais. Celle-là, c'est moi qui l'ai trouvé. Oui. Des petits trésors. Oups. Montre-le donc celui-là, ouais. Oh, super beau. Yay! C'est complètement mongol, les amis. Spot de fou raide. Fou raide comme spot. C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud!
Les filles se baignent, mais honnêtement, l'eau est très très froide. Puis, je me suis baigné tantôt, là, mais là, j'ai pas le goût. Je m'en viens. Oh, c'est t'as pas l'air chaude, hein? Non, elle est pas froide. Ils m'obligent à y aller, les méchantes. Pense à rien. C'est le moment le plus fort, là. C'est correct. Qu'est-ce qui me fait pas peur, les tenantes? C'est ma place. T'es-tu fou? Ben non, elle t'a fait super bien. Qu'est-ce qu'on ferait pas, gang? Eh, ça fait du bien. C'était plus facile de redescendre, gang. C'est bon pour le cardio, monter. On a genre le tiers de fait. J'ai mal dans les jambes déjà. Je suis pas en forme. Ouais, super belle expérience. Les chutes en bas, c'était vraiment, vraiment nice. Yes sir, guys! La montée est terminée. Spot de rêve. Spot de malade mental. Merci Steph! Super beau spot, ça commence la semaine de vacances en coin de Bécomo. On est à un point d'observation pour la baie, c'est quoi le nom de la baie? Saint-Pancras. La baie Saint-Pancras. Il y a plusieurs niveaux, points d'observation, ce qu'on peut aller voir. Les chutes, ce qu'on a été tantôt, il était où est-ce que les voiliers en bas, dans ce coin-là. Fait qu'on était en bas tantôt. Là, on a remonté la montagne, je recherche mon auto pour s'en venir vis-à-vis ici, vis-à-vis les points d'observation. Fourette quand c'est beau. Fait que si vous passez dans le coin de Baie-Saint-Paul, faites le petit détour ici, ça vaut vraiment la peine. C'est une super belle vue. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le nom de la microbrasserie Saint-Pancras. Oh! Hein? La bonne bière de la microbrasserie Saint-Pancras en plus. On va aller en tester une peut-être plus tard, une petite blanche, quelque chose. On va essayer de goûter à ça. Goûter les saveurs de la Côte-Nord. Maman. Ah, moi, j'ai super avoir la crab bitter. C'est Maman. Une bière faite avec les carcasses de crabe. Oh! C'est quoi qui
la vie. Dur, la vie.